tonight. We can find some place to go. Children of the land, do you hear echoes of truths that once rang clear? Two souls in... Salut tout le monde, c'est KiriTalkNight 064. J'espère que vous allez bien. On est toujours sur le Let's Play de Final Fantasy XIV, toujours en compagnie de votre mi-code préféré, Ishkiti, qui vient de se farcir un mouton. Enfin, un mouton. C'est pas vraiment un mouton. Je sais pas quelle bestiole c'était. Vous voyez les espèces de buffles qu'on a vu dans l'épisode précédent, vite fait, sur les côtés. Bah, il y avait cette bestiole. Je sais pas trop qu'est-ce que c'était. On était à trois dessus. Un événement, peut-être. J'en sais trop rien. Quoi qu'il en soit, on est de retour. Et encore une fois, bon, on va pas faire grand chose. Tiens. Je suis pas le seul à être en mode maillot de bain. Faut dire que ça s'assort bien avec le paysage. je voulais voir où il nous amène, lui. Nimsalomansa, non? À bord du navire au large. Bah, pourquoi pas, allons voir. Cette embarcation va au navire que le seigneur Gengerujou a affrété au large. Tu veux t'y rendre? Bah ouais. Le seigneur Gengerujou, c'est qui celui-là? Le seigneur Gengerujou. Ah ouais, mais on est vraiment sur le pont d'un bateau. Juste une question. C'est quoi l'intérêt de venir sur un bateau amarré au large? Il y a un phare plutôt sympa par là-bas. Et c'est là qu'on se rend compte que la distance d'affichage est quand même énorme. Ah ouais, ouais. Évidemment, on peut pas rentrer à l'intérieur du bateau. C'est trop facile. Non, laisse tomber, Chitty, c'est tout fermé. Elle a l'air grande cette station balnéaire quand même. On est posé là, avec le coucher du soleil. Ça me fait penser, j'ai les émotes, je les ai toujours pas essayées, celles que j'ai achetées. La danse des bombos. Alors c'est la danse officielle des feux de la mort de l'année dernière, si j'ai bien saisi ce qui était marqué sur le store de la station Mog. Le kiosque Mog, voilà, j'ai cherché le nom. C'est une danse qui est censée chasser les bombos. Ensuite, j'avais pris... voilà, la danse orientale. Elle fait ça trop bien. En vrai, elle danse vachement bien. L'émote est bien foutue. Bon, on va changer d'émote. Ah là là, si elle n'était pas virtuelle, je suis sûr que je serais amoureux. Ah non, sans déconner. Ça, c'est les claquettes, du coup. La danse des claquettes qu'on a eu dans... Il y a de ça deux épisodes, déjà, mine de rien. Les pirates nous avaient appris à danser des claquettes. Et là, ta 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 ta. Elle fait ça bien. Encore faudrait-il avoir des vraies claquettes. Sinon, c'est quoi ces bombos force là?
Ouais, en fait, elle s'est crue dans les Power Rangers. On n'a pas la combi. Power Ranger, let's go. Yeah, on peut pas sauter. On ne peut pas sauter. Non, si je veux sortir du bateau, je suis obligé de parler au capitaine. Ok. Eh, hey, Moussaillon, tu veux retourner en... Ouais, on va retourner à la Costa del Sol. J'ai la gâchette facile. Il faut que j'arrête d'appuyer, de spammer le bouton croix, moi. C'est la deuxième fois, je crois. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'intéressant ou voir quelque chose d'intéressant à la limite parce que faire dans la zone à laquelle on est et au niveau où est-ce qu'on est, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de choses qu'on puisse faire. À part se faire déglinguer par les mobs, oui, ça c'est envisageable. Une petite baignade nocturne? Pam 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 pam. Normal. Bras croisés. Allez, celle-là je la garde et je vais la découper. Qu'est-ce qu'elle est pas mal? Quand je me connais. Après j'ai oublié de rechanger la pose. Voilà, parfait. Les mains sur les hanches, ça reste ma préférée. Ah, et le feu d'artifice! Et si on s'en rapprochait pour le voir d'un peu plus près, celui-là? On va se casser la gueule. D'après la carte, on arrive au bout du ponton. Ah non, j'avais un peu de marge. Ah! J'ai pas vu la marche. Et il y a du monde sur cette île. Il y a beaucoup de monde. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Alors là, je dis oui. Là, c'est les vacances. C'est dans des moments comme ça que tu dis que t'aimerais vraiment, vraiment rentrer dans le jeu et vivre l'aventure. Yeah. Hop, la capture d'écran. En vrai, j'aimerais tellement y être. Plage, cocotier, feu d'artifice nocturne et jolie fille en maillot de bain. Non, franchement. Ça a l'air de mordre derrière. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils font tous ces joueurs. C'est pas des PNJ, c'est bien des joueurs qu'on a derrière. Bon, je pense qu'on a assez profité du feu d'artifice. Par contre, ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'ils font là, tous?
ils sont en train de pêcher. Eh ben, on va prendre le temps. Voyons voir un petit peu la dégaine des avatars. Il y a un peu de tous les niveaux. Eh, il a du style avec sa petite barbichette. C'est quoi cette race? Ah, c'est peut-être la race que j'avais de bloquer à la création de personnages. Je sais pas. Il est pas mal avec son poncho, lui. Oh, elle est pas mal. Il y a de l'idée. On a d'autres là-bas. T'es habillé en quoi, toi? Ah, ça doit être la classe ingénieur dont j'ai entendu parler. Oh, stylé! Toi, t'as compris l'ambiance de... l'ambiance du festival. Se réunissent tous ici au milieu. Ah, il est classe cette j'allais dire cet elfe, mais cet élésin. Franchement, les joueurs, ils ont bon, lui il est vilain, mais les joueurs, ils ont ils ont des bons goûts en matière de création de perso. Il s'est cru dans Dragon Ball, lui, sur son nuage. Franchement, il y a des persos, ils ont un bon design. Ce monde, on en attraperait presque le tournis. Y a pas à dire, ça fait du bien de se poser un petit peu aussi. Parce que mission, quête, mission, mi-quête, mission, quête. Bon, c'est un MMORPG, c'est fait pour ça, mais bon, quand même. Bon, je pense qu'on a assez profité de l'ambiance de Costa del Sol et des Feux de la Mort, même si on n'y a pas vraiment participé. On va reprendre notre quotidien d'aventurière. On va retourner à l'Imsa Lominsa, tiens. Allez. Adieu les vacances. On reviendra ici quand on aura le niveau 30, oui. De retour en ville, dans la civilisation. Par contre, on va pas traîner dans la capitale en maillot de bain, ça va pas le faire. du coup, ben, on va remettre, voilà, l'armure, notre armure intégrale. Les gants, c'est lesquels? Je sais plus. Je crois que c'est ceux-là. Non, c'est les autres. De toute façon, c'est les mêmes. Sauf qu'il y en a un avec lequel j'ai plus d'affinité. Ah, les bottines. Non, pas ça. Oui. Bon, après, là, je sais plus trop. Niveau 15. Force machin. Je crois que c'est celui-là. Bracelet.
Le collier, ouais. Et les boucles d'oreilles. Voilà. On est de retour dans notre tenue de gladiatrice verte. Et je vois qu'il y a une quête ici. Donc c'est parfait pour reprendre. Inassim a besoin de l'aide d'un aventurier. Excusez-moi, mais auriez-vous un peu de temps à me consacrer? Il faudrait déposer ce colis à la société de négoce de Eldways. C'est à côté de l'escale du pêcheur. Il y a beaucoup de sociétés marchandes à Limsalomensa. Mais l'Eldways prend en charge certains types de contrats dont personne d'autre ne s'occupe. Cette société a rendu un fier service au consortium de Brugger. Je voulais leur envoyer un petit quelque chose pour les remercier de leurs efforts. Tenez, ça marche. On va leur livrer. Livrer à Lowons Red le colis adressé à Edelweiss. Ok. Toujours pas fait, mais il faut que je grossisse un petit peu les textes. Je deviens bigleux. Et on voit aussi le feu d'artifice ici à Limsalomensa. Ah, ça fait plaisir. Moi, je vous le dis, vivement qu'on soit niveau 30, qu'on participe à cet événement saisonnier. Je voudrais voir un petit peu à quoi ça ressemble. On a eu un petit avant-goût. Bon, il y a l'air d'y avoir bonne ambiance. De toute façon, si on retourne à Costa del Sol, il y en aura pour quelques épisodes, de toute façon. On va profiter bien de l'ambiance. Mais là, là, on n'est pas au niveau, on n'a rien à y faire, de toute façon. Donc, c'est pas la peine qu'on s'y éternise. On va plutôt reprendre tranquillement nos petites quêtes. Et comme ça, bah, on atteindra le niveau 30 assez rapidement, j'espère. Avant la fin de l'événement. Tu te trouves actuellement à l'entrepôt de la société de négoce de Ledelways, aventurière. Si tu n'as rien à faire ici, je vais être obligé de te demander de bien vouloir quitter les lieux sur le champ. Bah en fait, cadeau. C'est pour vous. Tu as un cadeau de la part du consortium de Brugger pour nous? C'est gentil de leur part de vouloir nous remercier alors qu'on était déjà... alors qu'ils ont déjà payé. Ça alors, du pain aux noix avec des biscuits au gingembre et des sandwichs à la Bismarck? Je reconnais bien là le consortium. Ça fait un moment qu'ils s'occupent de tout ce qui est alimentaire. On a quelques gloutons ici qui seront reconnaissants pour ce cadeau. Tu veux bien transmettre nos remerciements à la personne qui a eu cette idée? Qu'elle n'hésite pas à faire de nouveau appel à nous. Ça marche. Et je vois qu'il a une quête qu'on peut pas prendre. On reviendra ultérieurement. Ah mais cette ambiance festive. Voilà. Je crois que les trois cités fêtent cet événement. En même temps, c'est sponsorisé par la guilde des aventuriers, donc. On n'est pas bien là, posé. En fait, je crois qu'on a été assez posé pour cet épisode. Il s'est pas passé grand-chose. Et je doute que d'ici la fin, on va rendre la quête gentiment, mais je doute qu'il se passe grand chose. On va reprendre le raccourci de la dernière fois, c'était bien pratique. L'escale du pêcheur. La.
J'ai les musiques qui arrivent à rentrer dans la tête, c'est impressionnant. La place du marché nord, du coup. Ouais, bon, la Camelotade Est, moi j'appelle ça la place du marché nord. Et c'est pas lui. On fera sa quête à lui une autre fois. Voilà, voilà. Vous avez livré mon paquet? Merci! J'étais bien embêté, moi. Je suis obligé de rester ici. Je transmettrai sans faute le message d'Elwes à mes supérieurs. Pardon? Vous voudriez connaître leur domaine d'activité? Ne vous en faites pas, vous finirez bien par le découvrir si vous vous installez à Limsalomensa. Et puis, rien ne vous empêche de retourner là-bas si vous pensez être une combattante suffisamment brillante. Fin de l'épisode. À bientôt les amis.